Le soleil sur la mer au petit matin. Il faut se lever tôt pour ne pas manquer le spectacle grandiose de l'arrivée dans la baie de New York, marquée par le bateau phare d'Ambrose Light. Et puis soudain, terre. Telle la vigie de la caravelle de Christophe Colomb découvrant au loin des côtes inconnues, on distingue sur l'horizon la skyline, la silhouette caractéristique des gratte-ciels. Et tout d'abord, la statue de la liberté. Déjà voici la pointe de l'île de Manhattan, où se niche le quartier des affaires, Wall Street. Dans quelques minutes, nous accosterons au Pier 88. C'est la fin d'un voyage de 5 jours, mais la toute dernière traversée pour notre navire. Nous sommes le matin du 28 août 1939, à bord de l'extraordinaire paquebot Normandie. Normandie en couleur, on ne l'avait jamais vue. Ces images inédites ont été tournées par un jeune ingénieur, Jean Vivier, qui procédait aux essais de cette toute nouvelle pellicule couleur. Ce véritable trésor a été retrouvé dernièrement par son fils, Eric. Mes parents s'étaient mariés en 1936. Mon père était au chômage à cette époque-là. Et par l'intermédiaire d'un camarade de promotion, la compagnie générale transatlantique l'avait pris comme consultant, comme chargé de mission, pour faire un audit sur les équipements d'imprimerie et les équipements cinématographiques à bord des paquebots. Et donc c'était à cette occasion-là que mes parents, jeunes mariés, ont vécu un véritable conte de fées, puisqu'ils ont fait le voyage sur le Normandie jusqu'à New York en cabine de première classe, et donc en bénéficiant de tous les services qui étaient réservés aux passagers de première classe. Mon père était passionné de photos, il s'est passionné pour la radio également, et donc tout naturellement pour le cinéma. Et par l'intermédiaire d'un cousin qui vivait aux États-Unis, il s'était procuré les premières pellicules 16 mm couleur, qui étaient pratiquement introuvables en France. Et c'est comme ça qu'il a pu faire ses images, à ma connaissance, les seules et uniques images en couleur tournées sur le Normandie. Alors bien sûr, de par sa fonction au sein de la compagnie, il a pu filmer des endroits du bateau auxquels le commun des mortels n'avait pas accès. Il a filmé beaucoup la vie à bord, la vie sur le pont en fait. Alors c'est d'ailleurs assez émouvant parce que très souvent je reconnais ma mère et c'est assez extraordinaire. Mon père a non seulement filmé ces images en couleur sur le Normandie, mais il tenait également un journal de bord qui décrivait journée après journée, heure après heure, en fait, le luxe insouciant, si je puis dire, qu'il y avait sur ce bateau, puisque du matin au soir, en fait, tout était fait pour le plaisir des passagers. Voilà, Paris était 1939. Voilà, c'est là que ça a commencé. Paris, été 1939. Il fait beau, il fait chaud. Rien ne laisse supposer l'orage qui va ravager l'Europe. Tout commence rue Aubert, près de l'Opéra, dans les bureaux de la CGT, la Compagnie Générale Transatlantique, la Transat, la French Line, où l'invitation au voyage est déjà dans la vitrine. Billets de passage en poche, rendez-vous gare Saint-Lazare, d'où part notre train spécial. Un voyage rapide
et c'est l'arrivée au Havre, dans la gare maritime construite en 1935, tout spécialement pour l'inauguration de Normandie. Un voile de verre supporté par une voûte de béton de 660 mètres de long, de quoi recevoir 3 trains complets au pied même du navire. Il faut dire que Normandie n'est pas un navire ordinaire. C'est un véritable hôtel flottant. Et quel hôtel ! De quoi accueillir 458 passagers en troisième classe, 665 en seconde, rebaptisé publiquement classe touriste, mais surtout, surtout, 848 privilégiés en première classe. Pour ne pas se perdre dans ce dédale de ponts et de coursives, il faut s'en remettre au groom en gilet rouge à boutons dorés, presque encore des enfants. Ce sont eux qui nous conduisent à nos cabines. Et là, ce qui frappe en premier, c'est ce luxe inouï, cette attention particulière apportée à chaque détail. Normandie. Normandie est bien le navire de tous les superlatifs, le Ritz sur mer. À ses débuts, pourtant, il était celui de toutes les critiques. On disait la dette flottante, le plus grand bateau qu'on ait jamais monté aux contribuables français. C'est vrai qu'il avait coûté cher, très cher, 863 millions. Et surtout, sa mise en chantier était tombée au pire moment. Il faut reconnaître pourtant que fin 1928, lorsque la Transat passe commande d'un projet de nouveau paquebot au chantier de Pennoët à Saint-Nazaire, l'euphorie est à son comble. La clientèle des riches américains a remplacé celle des émigrants qui a fait la fortune des grandes compagnies. À présent, il lui faut du confort, de la vitesse. Et pour cela, elle est prête à payer le prix qu'il faudra. Pour surclasser ses nombreux rivaux sur l'Atlantique, le nouveau navire sera tout simplement le plus grand, le plus rapide, mais aussi le plus beau et le plus luxueux. Avec la crise économique de 1929, tout bascule. En 2 ans, le trafic maritime est réduit de moitié et lorsque l'on pose la première tôle de ce que l'on appelle encore le T6, la Transat est au bord de la banqueroute. Pour obtenir les crédits nécessaires au respect de ses engagements, la compagnie est contrainte de se retourner vers l'État, qui, en contrepartie, prend le contrôle de l'affaire. Le navire devient alors le symbole de la France et sa réussite, un enjeu national. Petit à petit, ce qui n'était encore qu'un projet, un rêve, prend forme. Une silhouette unique avec des formes hydrodynamiques révolutionnaires et des dimensions jamais atteintes pour un paquebot. 313 mètres de long, 10 de plus que la Tour Eiffel. Il n'en restait plus qu'à lui trouver un nom, et ce sera Normandie. Au fait, doit-on dire le Normandie ou la Normandie ? La France se divise, le est considéré de gauche et le la de droite. La réponse nous est sans doute donnée dans les paroles de la chanson de René Dorin. Normandie, Normandie, ne dites pas le ou la, il s'appelle Normandie. Normandie, Normandie, ah, le beau nom que celui-là.
À Saint-Nazaire, le 29 octobre 1932, tandis que l'on retire les derniers accords qui soutiennent encore le navire et que les ouvriers finissent de graisser les rampes de lancement, à la tribune officielle, tout est prêt pour accueillir le président de la République, M. Albert Lebrun, et son épouse, choisie pour être la marraine du navire. Son élément, provoquant un mini raz-de-marée, détrempant les premiers rangs des spectateurs et causant même quelques blessés et un mort frappé dans le lit. Mais il faudra 2 ans et demi d'efforts supplémentaires pour achever ce géant des mers à qui il manque encore les moteurs, les hélices, le gouvernail, les fameuses cheminées et bien sûr toute la décoration. 2 ans et demi pour finir de transformer cet impressionnant assemblage de tôles et d'acier en vaisseau de lumière, pour lui donner vie et couleur. Sur l'horloge du marégraphe qui domine la gare maritime du Havre, l'heure d'appareiller approche. Les chaudières sont en pleine action. Et déjà une importante fumée se dégage des 3 gigantesques cheminées, ou plus exactement de 2 cheminées. La troisième est en factice. Elle n'est là que par souci d'esthétisme, afin de conserver des proportions harmonieuses à l'ensemble du navire. Accessoirement, elle sert également à abriter le chenil. Là-haut, sur la passerelle, le commandant donne ses ordres. À côté de lui se tient le pilote. C'est lui qui dirige la manœuvre pour engager Normandie dans le chenal qui conduit vers la pleine mer. Et c'est le balai des remorqueurs qui vont tirer l'imposante masse de plus de 79 000 tonnes. Pour la jeter, les derniers mouchoirs s'agitent. Le 29 mai 1935, ils étaient bien sûr plus nombreux qu'aujourd'hui à être venu saluer Normandie pour son voyage inaugural. Les journaux avaient même détaché leurs meilleurs chroniqueurs, Blaise Sandrard, Colette ou Claude Farrère, élus à l'Académie française 3 jours auparavant. L'émotion qu'avaient dû ressentir ce jour-là les 1216 passagers lorsque les 3 coups de sirène du départ avaient retenti, nous la partageons pleinement, 4 ans plus tard. Normandie s'avance majestueusement jusqu'au chenal, puis ralentit jusqu'à s'arrêter devant Sainte-Adresse et le cap de La Hève. Sifflet, sirène, pavillon, le pilote quitte le bord. Les remorqueurs nous abandonnent, les machines vont maintenant pouvoir donner leur pleine puissance.